me disait, oh, ça y est, je suis guéri et j'en étais heureux, parce que je peux bien l'avouer, madame, à la veille d'entrer à son service, j'avais très peur de moi, et même je me demandais si c'était bien prudent de me replacer, car il y a une chose que je n'avais pas osé dire à madame, mais maintenant, tant pis, je dis tout. Eh bien, madame, ce que j'avais fait avec la comtesse, je l'avais déjà fait dans deux autres places auparavant. Oui, madame, la comtesse était le coup de trois, et comme pendant les 8 jours où je suis resté sans place avant d'entrer chez madame, comme pendant ces 8 jours-là, aucune des femmes que j'ai pu voir dans la rue, dans le métro ou bien ailleurs, comme aucune ne me disait rien, moi je me disais, Désiré, mon ami, si tu ne dois plus avoir envie que de tes patronnes, tu es un homme perdu. Mais madame, imaginez ça, un domestique, un homme qui a 2 ou 3 raisons à se considérer encore comme un homme assez jeune, et qui n'est plus attiré que par des dames, qui sont ses maîtresses, mais dont il ne peut pas être l'amant. Oh madame, il faut avoir son métier dans le sang pour comprendre ce que ma situation avait de tragique, car je l'aime, mon métier, madame, je l'adore, j'en suis fou. J'entendais l'autre jour monsieur qui parlait à madame de la volupté de commander. Je ne dis pas le contraire, mais si madame pouvait savoir ce que c'est que la volupté d'obéir, oh, servir, madame, mais c'est quelque chose de merveilleux. C'est avoir le droit d'être sans volonté, allumer le feu, fermer la porte, ouvrir la fenêtre. Toutes ces idées-là, c'est les autres qui les ont. Et alors quand en plus, c'est une voix de femme qui vous commande, surtout un peu durement, ah, ça c'est une sensation délicieuse. Ah, ce que j'ai pu envier les esclaves, moi. Voilà donc dans quelle situation je me trouvais au bout de 3 jours que j'étais chez madame. Je faisais mon métier, madame ne me disait rien. C'était merveilleux. Et le 3e jour, au milieu de la nuit, crac, tout change. Voilà que je m'ai rêvé de madame. Oui, madame, moi aussi. Insérez-vous, il n'y a rien d'impossible. Madame voit ce que je veux dire. Insérez-vous, les choses se passent comme elles se passeraient si elles devaient se passer. Le lendemain, ça recommence. Et voilà 4 jours que ça dure et que je suis au supplice.